Mais qu'est-ce que c'est? Ça a pas l'air d'aller, toi. Ouf, c'est lourd. La 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 la. Oh, bonjour Léa, quel bon vent t'amène? Bonjour, professeur Schaestein, regardez ce que j'ai trouvé. C'est la planète Terre. Elle m'a l'air bien malade. Dis, pourquoi elle est malade? Je vais t'expliquer. Elle souffre d'une pollution bien particulière, une pollution nucléaire. L'énergie nucléaire permet aux habitants de cette planète de produire une partie de l'électricité dont ils ont besoin. Mais cette énergie a un prix, et cette planète est en train de le payer. Oh. Mais ne crois pas que les habitants de la Terre sont irresponsables. De nombreux pays n'utilisent pas l'énergie nucléaire. En France, 78% des habitants souhaitent que les énergies renouvelables soient la principale source d'électricité. Les terriens sont de plus en plus sensibles à ce problème. L'énergie nucléaire n'est pas durable. Elle ne produit aujourd'hui que 2,5% de la consommation énergétique mondiale. De plus, même en multipliant par 3 le nombre de centrales nucléaires d'ici 2030, on n'obtiendrait qu'une réduction de 9% des gaz à effet de serre. L'énergie nucléaire nécessite l'utilisation d'uranium pour fonctionner. Or, à ce rythme-là, dans 30 ans, il n'y aura plus d'uranium. De plus, cet uranium, une fois utilisé, produit des déchets. Ces déchets sont très nocifs pour l'environnement. Ils sont soit stockés, soit traités. Mais leur traitement coûte extrêmement cher, et est donc peu utilisé. La production d'énergie nucléaire est dangereuse. La sécurité doit être à son maximum. Mais tu sais, un accident est si vite arrivé. Et on en a déjà vu les effets dévastateurs dans le passé. Au-delà des accidents, il se pourrait que dans l'avenir, des personnes mal intentionnées mettent en œuvre un attentat. Cela provoquerait des dégâts incroyables à une échelle très importante. Oh non! Alors Léa, tu as bien compris? Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va la soigner? Oui, tout d'abord, il faut commencer par changer les vieux appareils par des nouveaux qui consomment moins d'énergie. En effet, l'énergie que l'on ne consomme pas, on n'a pas besoin de la produire. Les citoyens peuvent aussi faire baisser la consommation en faisant attention au quotidien. C'est pourquoi tu dois éteindre la lumière à chaque fois que tu sors d'une pièce. D'accord. Mais bien sûr, on ne peut pas cesser d'utiliser l'énergie nucléaire sans la compenser par une autre énergie plus saine. Ces autres énergies sont multiples. On peut citer les barrages hydroélectriques, l'énergie solaire photovoltaïque, qui transforme la lumière en électricité. L'énergie solaire thermique, qui, grâce à la chaleur du soleil, chauffe l'eau. La biomasse, qui consiste en l'utilisation des résidus et déchets organiques pour produire de l'énergie. La cogénération, qui est la récupération de l'énergie thermique dégagée par un appareil. Et enfin, les éoliennes, qui transforment la force du vent en énergie électrique. Soignons-la maintenant. Bon, relâchons-la maintenant. Revoir, planète. Au revoir. C'est fini? Fini, fini? Et non. Ça alors? Mais ne crois pas que... Désolé, j'ai un chat dans la gorge. Ah mais, ma coupée! Ah, coupée! Mais qu'est-ce qu'il a mis là? Vous connaissez le prénom du frère d'Albert Einstein? Frank. Frankenstein. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir faire mon numéro. Ah non, c'est pas ça quoi. Ah, whoop hop. Je comprends pas son mode de fonctionnement. C'est un gros piou piou. Il faut faire quoi? Chanter. Chanter pour ceux.
Laveur d'or. J'arrive pas. Tais-toi donc, vilaine sonnette. La cloche a te répondu. Tic tac 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 tic tac donc. Imitation du rire de Damien. 100% de la consommation d'énergie. Même en multipliant par 3 le nombre de. Mais bien sûr, on ne peut pas utiliser. La sécurité doit être.